En fait, c'était très particulier parce que je cherchais un petit garçon qui puisse avoir de la malice pour amener de la modernité un peu au personnage, qui puisse avoir une vraie fraîcheur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui savent très bien jouer, mais finalement trop bien jouer, ce qui fait qu'ils se figent. Et je cherchais un enfant qui puisse avoir généré de l'empathie à travers le regard, à travers. Et c'est vrai que Malhomme, moi, Malhomme, je l'ai découvert très 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 vite. Hein. Il était vraiment dans les premières sélections qu'on m'a données. J'ai eu un coup de cœur total pour lui, mais un si gros coup de cœur que ça m'a fait douter. Je me suis dit, je vais en caster d'autres. On a casté 400 autres. Ah oui, 400. Oui, pour être sûr. Enfin, et en parallèle, Malhomme, je le faisais revenir pour lui faire faire des scènes de plus en plus dures. Et pour voir si aussi il aimait ça profondément. Il n'avait jamais tourné. Donc c'était pour savoir s'il aimait profondément ça. Et il se trouve qu'il adorait ça. Et puis donc ça s'est fait très simplement, en fait. Pour moi, il était, il est et il reste une évidence pour le rôle.